Bonjour, bonsoir pendant toutes mes amis, c'est Éclair Info qui entre la caille nous avec information que nous portons pour nous-mêmes pour nous capables de mettre toujours à jour sur information dernières informations qui a pu écouler sur la caille nous. Comment nous lever matin, comment nous passer journée nous, comment nous y est, comment famille y est, comment moral là y est, comment l'esprit y est, comment tout bagaille y est. C'était un plaisir pour nous te saluer au moins remet en pile Kembela moi salut. Comme nous connaissons déjà, chef gang village là, t'as eu un programme ni t'as fait. Côté sur toutes réseaux sociaux, t'as attendu côté monsieur à t'as avisé que quel que soit artiste qui invite et vient jouer, qui pas venir, qui compte jouer dans l'autre ghetto déjà, mon ça va bien problème. Et artiste, il invite yo, t'es préparé yo pour aller jouer. Bien que nous allons dire est-ce que t'es doué aller, est-ce que pas doué aller, parce que chaque monde protège tête yo, j'en connais. Nous connaissons déjà des gens plusieurs qui doivent jouer, des fantômes, des grands chanteurs, des grands rappeurs. Nous connaissons qui parle de relation. Normalement, la réflexion que moi-même moi fait, si la police connaît les fantômes, ils vont jouer, ils vont stopper les fantômes, ils vont stopper l'autre addition dans la zone côté où ils sont. Et ils connaissent le village de Dieu. Bandia ou bien comme nous pouvons nous dénommer les bandia, chef bandia, la fête programme pour fêter fête anniversaire, il y a l'arrêté fantôme. Pour qui ça y a le stopper le fantôme et il n'y a pas arrivé. C'est que, mes amis, on est sérieux. Que mon a circulé, fait qu'on est que gouvernement son gouvernement mafia, un gouvernement gang. Est-ce que le tas lui dit oui, sincèrement, c'est allié? Parce que si on fait réflexion, ou dit, eh bien, fantôme bral, nous pas tolérer pour un artiste à lui pour bandit. Ceci, cela, ou qu'on côté lui, localiser fantôme, ou à l'arrêter le nom fief fantôme. Avec des routes qui mènent côté programme la fête là. Est-ce que les fantômes prennent un micro li touye moun? Est-ce que les fantômes prennent un micro li mande moun pou ba sayon li arrête moun ou bien fè ou mal? Non, les fantômes prennent un micro nan men, c'est animation. Mais moun ka fè programme nan ki invite fantômes vin jouer pou li a, li gen zam men amen. Est-ce que zam sa yo li fè moun plaisir? Mais sinon, ça montre très clair que zam sa men monsieur sa yo. C'est plaisir mais pour moun yo, mais c'est ça que mes fantômes là, la problème. Nous t'avons maintenant bien saisi ça qu'a fait là, ça qu'a passé là. Yo bat artiste là, yo crasé, yo tiré artiste même dit déclaré soit ou tiré sur machine tombée, et les juges de paix pas vini. Mais amis, on fait analyse autour de bagage ça yo. Hein, on fait analyse. Est-ce que ça a bon qu'a pas j'en a passé là? Pour qui ça c'est dans moment action a fait là dans gain 2 c'est qu'on a prend deux zones yon zone qui a fait programme là yon zone yon groupe mon a préparé pour la jouer dans zone ça. Pour qui ça c'est zone ça? Est-ce que c'est zone ça qui était plus près commissariat? Est-ce que c'est zone ça qui était tout près et autorité concernée yo? Est-ce que c'est zone ça qui était plus facile qui était on va dire plus facile? Est-ce que c'est zone ça bon peut-être on va qui mom ta placer? Pour qui raison dans moment action a fait la police a déplacé le gain machine li rivé la arrêté la saccager zone fantôme là et puis zone côté programme là fait là pas fait. Bon, nous identifier c'est yo qui a bail problème dans pays là. Pour qui ça est-ce que c'est pas yo rivé là prend? Mon cher mes amis, bagala trop clair. Dans quatre conférences pour la presse journée mardi 9 mars 2021.
plusieurs grandes autorités étaient réunies pour te parler sur divers dossiers. Nous avons gagné Maître Antoine qui était là, qui t'a parlé sur dossier prison quoi des bouquets, qui t'a expliqué que c'était une grâce qui t'a fait, tu t'as libéré une série de prisonniers tels que cité ancien monsieur Akimou Yannel Joseph. Gagné Maître André Michel tout qui t'a parlé sur question donnée, sur question Ronny Célestin qui t'a acheté 4.25 millions de dollars américains. Il dit qui ça pour monsieur ça t'a fait avec l'argent ça. Sans compter l'autre bagaille encore qui gagne qui t'a passé dans le moment. Nous invitons vous suivre avec nous et que quant à nous-mêmes problème. N'a pas suivre. T'as coupé tomate qu'on dit. N'a pas suivre. Parce que nous avons examiné la sécurité. Pour sécurité, on va réfléchir. Mais pour que ça ait moi-même, colonel, méchant, c'est tout à ce qui va aller. Et comme les gens ont poussé pour bandit, ils savent faire. Ils ont bandit, tout va se faire pour le bandit. Ils ont pas choix, mais éducation à bandit. Ils ont couru des bandits en bas, mais c'est bandit qui est habillé eux-mêmes. Parce que là, mon business vient de faire un peu de ma vie. Et les gens qui ont fait un peu de ma vie. Nous voulons, les gens qui ont fait un peu de la donne. Il y a un festival rap pendant samedi. Qui t'a dit que tu as fait rap? Madame? Non, je ne vais pas me plaindre. Les ghettos, ils m'ont joué drum. L'autre n'est pas joué dans le ghetto, il ne va pas me battre. Pourquoi il me met? Tout le monde est joué avec. Vous débutez là, je vais débuter tout le monde. Moi, je fais une bonne réponse pour que ça fasse ça. Et moi-même, je me dis, il y a 24 heures pour aller dans la machine. Je suis un problème. Je suis un peu plus de temps. Là moi le match au Maroc il garde moi bon aussi le match demain caché le ça finit les machines moi même ouais base c'est bail là il veut même là back et rien là mais tout il m'a pris les machines moi après parce que pas job dans le cadeau là qu'est-ce qu'on va faire cadeau ça matin sur station radio Caraïbes dit où fait connecter la police s'est débattue c'était soit fini ça soit perdu là ça que je parle avec nous si tu vas bail moi ça soit perdu là. Ça te gagne d'aller venir. Soit son coin international, il va. Si vous faites connecter, vous pouvez venir, vous ne pouvez pas descendre à la ville. Vous ne pouvez pas prévoir ça pour me faire, si vous prévoyez, vous ne pouvez pas prévoir la rivière, le calcul. Vous ne pouvez pas prévoir, si vous ne pouvez pas sécurité, vous ne pouvez pas. Et pas moi-même. Et bien, c'est un artiste. Et vous n'avez pas de problème avec la photo. Alors, vous ne pouvez pas reconnaître. Parce que je ne vais pas mettre mon petit à mettre. Nous devons respecter les gens. Même pas besoin de citer le nom. La machine est à vous-même qui est là. Nous deux. Même avec vous, c'est madame. C'est seul ou même qui est victime de la machine? Non, vous avez demandé là, va aller, moi je suis. Allez. Elle me pète vite pour me faire sortir. Vous me faites sortir pour demander la machine de moi. Ravi. Je ne sais pas ici. Je sais qu'on a sorti, mais je vais faire venir ici. Dis-nous, qu'est-ce que la police? Est-ce que c'est la police? La police, je vais demander mon champ. Quand la police va venir poser une question, je ne vais pas faire plus de diplomatie avec moi. Je ne vais pas faire diplomatie.
ou blessé dans vite machine ou sinon pas. Non, pas blessé non, parce que crase avec l'école moi dom qui frappé. Bon, et pas l'école moi, machine dans l'école. Il y a des monde sur les réseaux sociaux on les en captique et ou gain artiste tout partout ou ca décider à n'importe côté. Bon, va les ghetto me jouer pour ça va t'en mettre la justice là. Je vais mettre la justice pour moi. Je vais mettre la justice ma vie. Pas moi faire dans village bandier, yo fait dans village bandier. Sauf que mes amis ont voulu dans le village pas qui permet des gens qui semblent avec nous. Aller avec qui nous avons dans le monde. Il y a des gens qui disent tout que vous êtes dans le carnaval et vous avez chanté. Vous avez réuni tout le monde, personne ne peut pas dire ce que vous avez chanté. C'est tout ensemble des fanatiques de football. Mais il y a des photos pour moi. Nous n'avons pas petit. Et je ne vais pas porter une photo. Je ne vais pas sauter une photo. Je ne vais pas être poubelle. C'est vrai, man. Il y a 24 heures. Ouais, moi je vois mes messages jamais c'est 24 heures pour mon machine bon. Parce que ça il garde même bon, il va pas garder femme garder. 24 heures. Tu fais 24 heures avec lui. Mais ma bandi connait. Non, mon bandi va garder qui ta sous. Non, bon et ça bon, il va prendre là. Et ça bande tout jeune. Fumer drogue, faire ma sissi, faire ma divine, voler, faire kidnapping. Moi c'est le gars qui bandi là, il bandi tant mais. Est-ce que c'est ça? Mais qui ça pire ou bourgeois ou au frigo? Qui ça m'a fait? Chantez! Est-ce que ça m'a fait? C'est qui n'a pas fait? C'est doit mal au président. Il n'y a pas de monde même. Est-ce qu'il n'y a pas de monde? Vous avez 24 heures pour remettre la machine? Non, Dieu! Ma mère, c'est le gouvernement qui a fait la police qui a tiré sur la machine qui a fait le tombeau. Je vais prendre la machine. Parce que la machine, la police, elle est là, mais elle est là, elle est là, elle est là. Vous avez mouru hier soir? Je vais mourir. Je ne vais pas mourir. Ça va aller dans l'église. Mais vous avez tiré des machines? Ça va aller dans l'église. Mon Dieu, prends les problèmes. Mon Dieu, prends les problèmes. Je ne sais pas si je suis fracturé. Je ne sais pas si je suis fracturé. Et là, on est tout, je suis fort à assumer la responsabilité. Je suis fort à assumer la responsabilité. Tout artiste, depuis l'année, on commence à battre tout artiste. Colonel, méchant, c'est depuis l'année, on commence à battre tout artiste. Non, je ne sais pas. Of course, c'est ça lié, mon cher. Il va me dire que je pas chef. Non, chef, je suis chef. Je suis toujours dit. Depuis le 8 jusqu'à nos jours. Tout le temps, je suis depuis le 8. Ou pas, père à jouer dans le ghetto encore? Père à jouer dans le ghetto. Je suis tout fait pour me faire un père à jouer. Pas une équipe qui a fait ça. Je suis décidé de jouer dans le ghetto encore. Je ne sais pas si vous avez besoin de ça. Non, mon Dieu, je ne pas tenir mon petit. Je ne sais pas si appel, mais qui peut être solidaire. Il y a des gens, tout le monde, tout le monde, Et là, on fait un tarasi. Vous ne pas venu là comme rappel, Samuel. Vous rappelez, pas vrai? Comment est-ce que papa rappel là? Je me la donne? Non, pas plein. Festival rap créole. Fait photo de la donne? Pas plein. Festival rap créole. Quand on m'a fait rap créole, papa rap créole. Qui ça veut dire? Ça veut dire me faire? Mais ça fait que nous avons là, hier soir là, ça ne tient pas différent. Je me prends un plus gros choc que ça, il va déranger. Marchez maintenant pour les gourous, mais c'est bon.
ces situations prisonniers politiques avec grâce présidentielle que Jovenel Moïse a décidé de bailler Anel Joseph et que par la suite il aura assassiné monsieur Jean Connel pour parce que monsieur était détenteur d'un paquet vérité. Maintenant, la situation des prisonniers politiques. N'oubliez pas, actuellement, il y a un pile de prisonniers politiques. La bataille n'a pas mené pour eux. On se trouve par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Côté, nous sommes interjetés appel d'une ordonnance ayant été rendue par la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets le 10 février 2021. Là, nous voulons parler de ensemble arrestation arbitraire et illégale qui était faite du côté de Petit Bois l'an jour qui était 7 février 2021. A remarquer l'encadre d'arrestation ça y est. Ce sont des agents de l'unité de la sécurité générale du Palais National qui s'étaient impliqués dans ces arrestations. Pourtant, nous connaissons clairement que le dit le règlement, la police là, que les agents de la sécurité générale du Palais National ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments du Palais National. Deux, ils ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments, des résidences privées du président de la République en exercice et des anciens présidents de la République. Pourtant, la mascarade qui était passée dans Tibois, le jour 7 février, ces mêmes agents UGPN Sayo, dans la perspective pour te plaire chef, ils ont arrogé le droit pour te transformer en OPJ côté de la démonio. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que les agents de l'UGPN n'ont pas le droit de s'impliquer dans la répression dans les manifestations. Ils n'ont pas le droit de procéder à l'arrestation des individus chez eux. Ça veut dire clairement que ça que t'es fait là, par le fait qu'elle t'est faite à 2h du matin, par le fait que pas de gain flagrant délit, par le fait que pas de gain mandat, ça veut dire clairement que l'arrestation ça yo, yo t'est fait sous citoyen ça yo, dans Petit Bois, c'est des arrestations arbitraires et illégales. Heureusement maintenant, le dossier est pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince et que comme vous le savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, les cours, qu'il s'agisse des cours d'appel, qu'il s'agisse de la Cour suprême, qu'il s'agisse de la Cour de cassation, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle. Ce sont des instances dans lesquelles se trouvent des magistrats connaissant le droit. C'est-à-dire des magistrats qui ne prennent pas service à l'exécutif là pour y aller quimber moun sa yo en prison. Et que nous comptons considérablement sur la sincérité de la composition qui est présidée par le juge Yves Altidor qui va statuer et qui va se prononcer sur le sort, sur la situation de ces prisonniers politiques. Heureusement, les juges qui font partie de cette composition, ils ne sont pas des juges de l'équipe PHTK et c'est ça qui fait une garantie qu'ils vont s'engager à appliquer la loi et qu'on va procéder à la libération de Moun Sayo qui c'est des innocents. Deuxième point, pour me finir, pour me fixer position, sous lui,
c'est ça y aurait l'évasion à la prison civile de la Croix des Bouquets et que nous-mêmes nous considérons comme une sorte de grâce présidentielle que vous voulez accorder à Anel Joseph Jean Sodilla qui te gagne en mail un paquet d'informations. N'a pas dit comme ça que nous pas pour qui raison qu'on a été obligé de procéder à l'exécution, à l'assassinat du responsable de la prison civile de la Croix des Bouquets, Hector Jean-Pierre. Nous pas pour qui ça que ont été obligé procéder à l'exécution d'un paquet si malheureux qui était en prison. L'un qu'on est pertinemment que ça que t'es fait là, ou pas qu'à comprendre ni en dehors de plan qui a été planifié au palais national et que quelques jours avant d'accorder grâce présidentielle là à Anel Joseph, Anel lui-même t'a ouvri bouche lui, il t'a dit que on prend le libéril. Heureusement quelques jours avant tout monsieur était en comparaître par devant le cabinet d'instruction du tribunal de premier instance de Port-au-Prince, il était gêné en bail, il y a un paquet d'informations concernant l'alliance qu'il y avait entre lui et les membres de ce pouvoir. Et pas oublier, la commission éthique et anticorruption et du Sénat, il y a un paquet d'informations, un paquet de numéros de téléphone par rapport à ce que qu'on fait entre Anel Joseph et l'autre monde qui proche pour royaux et que nous espérons que tôt ou tard lumière a fini par faire le dossier ça yo que je ne jodia n'a bataille pour que lumière pour que justice capable faire la dedans. Merci. OK, merci, merci, très bien. Merci en pile la presse qui l'a matin en conférence de presse. Je salue de façon particulière la présence sur table là de maître Sylvie Jean-Marie et de maître Esperanza Fitienne qui a accompagné nous dans le cadre de cette conférence de presse. J'en nous connais déjà, on gagne plusieurs casquettes. Matin, ce n'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui a défendu le droit de monde, le citoyen engagé. Et M. Rémi Sodjon Barella, qui est fondamental sur grève là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Grève magistrale, c'est le pouvoir du gouvernement. Ce n'est pas magistrat qui a choisi à faire grève. C'est le pouvoir exécutif, c'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le mis à la retraite, 3 juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a le nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là, responsable grève qu'a fait. Et conseil des dossiers brûlants, on ne va pas capable pas parler de eux. On va passer à pied joint sur eux, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Ronnie Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. M'a dit Ronnie Célestin, pas de droit encore. Parce que moi-même, c'est mon qui croit tout, comme mon province, élément de la classe moyenne, que tout le monde doit gagner comme. Ce n'est pas à peine seulement pour gagner comme. Bonnie, c'est le destin qui a gagné comme tout. Mais il faut le faire comme lui dans de bonnes conditions. Maintenant, si M. achète un cahier comme ça, 4,25 millions de dollars américains à Montréal, il faut qu'on côté, Ronnie Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business-là pour faire, mais côté, il fait comme lui. Mais côté, il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse
à Montréal par le sénateur Rony Célestin fasse une course pénale. Dossier ça mérite une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. Fekondi. Et dans quelles circonstances l'acheter quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça. C'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous venons encore, il faut qu'on côté, on est capable de justifier, on vient faire comme là. Et c'est son dossier me fait, etc. Il vient me sortir un horaire, il vend 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que le dossier ça, il fait une course pénale, il rentre dans le système là, et que la justice garde exactement dans quelles conditions le sénateur Célestin fait comme. Il doit faire bien, s'il fait le bien, il a dit bravo, il est intelligent, mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. Où notre dossier, son dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savanidiane. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021, 8 février, Jovenel Moïse pour arrêter présidentiel. Et puis, il y a appel. Ces paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaï, plus qu'à passer 14 000 carottes, il y a maïsade. Et il y a 18 millions de dollars américains à l'agent d'État pour le faire, zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. On n'est pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si ou tu es un président normal ou pas bien droit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, 8 février, il n'est pas capable de prendre 18 millions de dollars américains à peine pour la faire zone franche. Et puis il prend tête tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaï, plus passer 14 000 carottes pour le peine pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons moucher à peine. 18 millions de dollars américains. Jovenel Balia, il faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit balle comme ça le 8 février parce que le mandat fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour appel. Retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont le droit de retourner ce terrain. Deux choses. Appel, 18 millions, retourner dans le trésor public. Pays à Babou. On prend pas au même seul et qui dit 7 jours. Bon, bah, on va ressortir pour l'autre histoire. Deuxièmement, paysans, il faut être capable de retourner sans difficulté sur terre parce que ils ont exproprié de manière illégale. Moi, j'ai pile d'informations, j'ai pile qui parle avec moi, ils n'ont pas de payer, ils n'ont pas de bailler comme pour ça, ils n'ont pas de payer, de façon manomilitarie, cela est inacceptable. Appel remettre comme là, paysans retournent sur terre. Et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime, le ça, n'a penché sur question. Hein? Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça, je ne peux pas reconnaître. Mais autre, son zone qui fait poids Congo, son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher une zone qui va faire production nationale, zone qui va faire élevage. Zone qui n'a pas qu'à faire manger, pas qu'à faire quoi qu'on veut, c'est dans zone ça pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole, pour nous capables et nourrir toutes haïtiennes, toutes haïtiennes. Nous pas qu'à se tenir qu'à faire manger, qu'à faire élevage, pour n'avoir pas eu pour faire zone franche. Alors, à peine, remettre comme là pour nous, sans bris sans compte, nous n'avons pas besoin d'un problème, nous n'avons pas besoin d'aller au tribunal pour aller remettre comme, tout remettre comme là, fonds chèque 18 millions, mettons bagaille sous l'île, nous avons un comme, voyez notre trésor public, et puis les paysans reprennent vos terres. Maintenant, autre chose, pour moi, c'est un dossier qui est important. Gagné Joseph Mathieu. Joseph Mathieu, avec Jovenel Moïse, c'est corporate avec Figaro. Monsieur, il y a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré et Agritrans. Jovenel Moïse a un banane. Non, bon, pas de jambes, banane, c'est un bloc. Mathias qui a été dit en 2016, il y a un banane, ça un bloc. C'est 14 millions pour FDI, il y a un Jovenel pour le déclarer pour l'autre business. Pas de jambes, banane, vrai. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, il y a une porcherie dans le département de Nip, qui a fait cochon, qui a produit cochon pour vendre.
et il y a une ferme agricole dans le département. Ça veut dire, oh, monsieur, monsieur, dame, mes chers amis, on sait. On a quitté ce président. Mandat fini, nous comptons ça. Et puis, monsieur. Monsieur Vinay, responsable de structure de droits humains, qui est le cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Et ma première, c'est Panélicio, mes honneurs, mes André Michel, mes Sylvie, mes Espéranta et mes Kisnaï. C'est tout un plaisir pour nous aujourd'hui. Hein. Et ma première, c'est nos journalistes parce que bon travail exceptionnel que nous faisons, le message que nous lançons, qui arrive à nous aujourd'hui, c'est grâce à nous-mêmes. Moi-même, comme avocat, je tiens là, moi, je viens parler de grève forcée, grève provoquée par le pouvoir Jovenel Moïse. Est-ce que nous connaissons que nous connaissons que grève ça, son grève qui malheureusement t'est provoquée suite à audience habeas corpus que greffier Christophe L'Espérance t'est venu siéger la donne. Faut comprendre que exécutif là pour montrer que la vassaliser justice là. Parce que greffier Christophe L'Espérance t'a accepté siéger en habeas corpus, dans la soirée, le ministre de la Justice a décidé de le limoger. Mais malheureusement, Gounius, Goumbaye qui a échappé ministre, c'est que la lettre de révocation a été rédigée, pourquoi pas, en son bureau le 8. Et apparemment, le greffier aurait reçu cette lettre le 10. Bon principe, on doit dire la date de l'émission n'est pas la date de réception. Donc, s'il recevoir, s'il est la fête le 8, tout autant que l'hypocre recevoir et Madame Le Doyen, pas de recevoir, parce que si Madame Le Doyen, Grécia, non, c'est recevoir, donc le greffier Christophe L'Espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en habeas corpus. Mais ce n'est pas ça qui intéresse nous, mais c'est le caractère arbitraire de la révocation. Pour nous bien nous-mêmes comme avocats, notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier. Et actuellement, il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du Premier ministre. Lettre adressée déjà, nous attendons la réponse du Premier ministre. Mais l'impact grève là, est énorme. Attendez bien, journaliste, l'impact grève là, est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti en larmes. Je suis sorti, m'a crié. Pour qui ça? Parce que moi, en ambulance, qui vient prendre deux prisonniers. Pour qui ça? L'homme de qui est sûr, il dit que c'est des gens qui ont gagné 8 ans en de prison. Pas jamais jugé. Pour qui ça a été? Parce que tu es volant bouette. 8 ans en de prison parce que tu es volant bouette. Et bamba nous, anecdote là. Il sorti, il mourit, si je dis 8, il mourit peut-être le 5 ou 6. Ordonnance de non-lieu sorti pour lui, le film mourir. Donc ce qui veut dire, mounion en de prison, mounion a vivre des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'homme malheureux dans nos pays, pas qu'à le tribunal. L'homme malheureux, pas qu'à ça qu'elle est le droit d'accès à la justice irrespecté. C'est une violation des libertés individuelles. Moi, j'ai vu le Premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge Raynaud Régis. Même dit, le Premier ministre est en train de nous tourner en dérision. Il nous tourne en bourrique. Parce que lui connaît que bon grève en dans le système. Lui connaît qui ça fait grève là. Pour qui ça, lui pas chita avec protagoniste pour la lever de la grève. Est-ce que moi-même, comme avocat qui a défendu le monde, est-ce que je suis chita là pour garder ma tente spectacle qui a fait sans pour autant pas gourmet pour demander de lever grève là? Messieurs et dames, je vous adresse la parole, vous en tant qu'autorité. Il faut faire en sorte de lever cette grève parce que grève a des conséquences directes sur le fonctionnement de la prison. Actuellement, là, la population carcérale du pénitencier national est à 5 000 prisonniers. 5 000 personnes qui vivent mal. C'est 20 qui calent dans ces cellules. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit au monde n'a pas levé, tout le monde est dans la prison mourir. Tébé, grand goût, mal manger, etc., mal béé. Donc, il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes, pour lever grève, parce que l'avocat n'a pas qu'à travailler. Je dis comme à redire, assise criminelle n'a pas qu'à organiser. Tribunal n'a pas qu'à fonctionner. Bon, Michel, maintenant,
tribunal de perpétionville, mes amis. M'invitez-moi à regarder. Marchant de sang dans le tribunal de Chita Mounia, oui. Côté mon appui, c'est côté cadavre, oui. Mes toilettes, mes côtés ont fait besoin, mes toilettes dans la prison, et dans la prison civile, là, oui. Et tribunal, là, oui. Bon juge de paix, moi, rencontré. Son baleine libre, mes amis, son décision de justice concernant une expulsion des lieux. Son baleine libre pour éclairer ça avec RIA. Maintenant, qui est à justice, noyé, si nous-mêmes, comme avocats, nous ne pas dénoncer ça, autorité, son équipement d'autorité qui pratique ce qu'on appelle le manfoubénisme, ça va intéresser. Donc, ça fait garder la population, hein? Ça fait garder les malheureux. Nous-mêmes, comme avocats, nous disons ça devant tout journaliste. Monsieur le Premier ministre, vous attendez nous, vous gardez nous là. Nous-mêmes qui défendons droit monde, nous qui luttons pour le respect et la préservation des libertés individuelles. Le droit pour un citoyen d'aller au tribunal est un droit fondamental. Il faut que vous-même, qui responsable, qui chef de gouvernement, faut statuer sous nécessité pour lever grève là. Parce que si grève là pas levé, nous-mêmes comme avocats, nous faisons ça pour nous faire pas devant le tribunal. Et n'a tenu chaque membre de gouvernement responsable de dysfonctionnement appareil justice. Merci beaucoup. Dans le cadre du programme anniversaire, sa chef gang Izo t'a fait. Il t'a invité Fantôme Vin jouer. La police intervenue. Mes amis, nous-mêmes, selon nous-mêmes, qui côté la police doit arriver? Est-ce que c'est Fantôme qui Fantôme doit arriver? Ou bien Kyle l'autre monsieur? Qui veut dire, côté la lia, est-ce que ça va t'avoir dit, c'est lui pas en mine, côté la lia, ça va t'avoir dit en mine. Nous avons mis nous dit ça dans le commentaire là. Il est important. Bel petit débat. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec nous. Sur tout point que nous sommes parler là, yo, monsieur Fantôme qui subit un paquet d'agression. Mais tout, devant un message bas, il faut que vous remettez les machines là. Et bras, monsieur Ali enveloppé avec, avec une toile. Nous allons connaître ce qui s'est passé définitivement. Et il m'a dit pour monsieur remettre les machines. Tout ça qui t'est parlé, nous t'étendons très bien. Qui ça nous-mêmes nous dit? Quittez l'information pour nous dans les commentaires. Et nous allons comprendre que qui situation et comment pays a vraiment la caillou, comment comprendre, comment ou elle. Et qui sont à penser pour lui, malgré ou qui ne doit pas arriver. Mais on coupe prière. Yon jour, si 50 moun a prié, ou vina ajoute ou même fait 51, yon bonjour. Pays a ba je non souffre. Parce que délivrance pays a ba l'autre côté, c'est seul bon Dieu qui a fait. Lorsque tout moun prend décision pour livrer pour pays a ba l'éternel, l'éternel la fait. Et le ka fait parce que l'habitué fait. Il fait pour Israël, il fait pour pendant longtemps pour Israël. Il ka fait pour tout moun qui croit dans lui. Et bien, quand à moi même, nous quitte ou. C'est des amis ou frère ou. Et le frère Lovins Colbert qui était là qui t'a fait toute et préparation ça yo et dans la rue a nous t'ai gagné monsieur Jean-Luc Kenz lui c'est le même qui était souterrain qui t'a vérifié qui t'a cherché information pour nous et nous même côté nous y a pour nous monter lui pour nous porter le pour bye bye tout le monde c'est ton plaisir à la prochaine ciao ciao Père Thomas Napsive